Bamenda man, your Econa man, your Giman, your Bakuri man, I'm proudly so. Your Anglophone brother, I'm so happy to be here. I'm so happy to be addressing myself to you. You're such a nice, nice crowd. You're such a nice people. I mean, the subscribers, you're so, so, so nice to me. Thank you so very much. Here, we're not imposing anything to anybody. Vous savez, on ne pose rien, on donne notre avis, et après, les gens peuvent en débattre. à que le débat est ouvert, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, c'est bien. Mais nous partons du fait qu'il y a des choses dont on constate quelque chose avant de venir parler. Et souvent, très très souvent, nous sommes documentés. C'est les faits, vérifiables. Mais après, vous savez que les gens souffrent souvent de la mauvaise foi, ils peuvent discuter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. I'm not going to enter into that. And parfois, d'autres qui manquent d'arguments insultent. C'est de leur droit. They can do whatever they want. I don't care about any other thing. What I care about is justice. My interest is to pass the message and clearly so it's putting my face in front of this camera and talking to you. because you know there are y a des gens qui their time à écrire avec des faux profils, disent des choses et autres, mais en face comme ça, ils Et quand vous allez argument contre argument, vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup plus dans l'émotion, ils sont beaucoup plus dans la haine gratuite, ils sont beaucoup plus dans tout ce qui n'est pas correct, les amis. OK. Vous vous avez vu vous-même. Le titre interpellateur. Il y a eu combien de batailles, les amis Recrutement de Mark Brice. Contestation de la fédération. Après, la Fédération a fait un compromis en disant Ok, bon, si on a plétiné les règles, c'est pas grave, on peut, on peut accepter l'autre. Mais la Fédération a dit Le reste du staff, le coordonnateur des équipes nationales, est nommé par la foot et par le président de la Foot et non par le ministre. Les textes, même la convention de 2015 et le décret de 2014 stipulent ça clairement. Donc, on n'acceptera jamais que le ministre nous marche dessus. C'était clair. Ça, c'était un combat. Et ça a commencé fort, 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 fort. Et on a utilisé qui L'ancien secrétaire général de à Foot pour pouvoir torpiller tout. Mais ça n'a pas marché, les amis. Donc, victoire pour Samuel de Parce que c'est Benoît Hongrois qui a eu le passeport. C'est Benoît Hongrois qui a donné ce passeport-là au, euh, au, au commissaire de match et tout de la CAF. C'est Benoît Hongrois. Ils ont confisqué le passeport et il y a eu sommation de l'huissier. Et ils ont compris que c'était pas la blague. Il parle de Marc et ses amis qui ont pensé que c'était trop facile comme ça. Et c'était de ces joueurs-là qui disent que le sélectionné, c'est mon chef, comme André nana c'est mon chef. S'il si me dit qu'on pas et si on part, on part ben avec Régobelson, il manquait de respect. Il lui manquait de respect. Abaka Vincent a dit, c'est pas moi, je le cite, parce que la vidéo est là. Abaka Vincent, qui est dans l'hypocrisie aujourd'hui, a dit que nos petits-là sont bizarres. On lui il a dit que comme ça, comme ça, le coach peut aller parler, parler, parler. parler C'est de ça qu'il est question. Donc, André Onanaka, il raconte ce qu'il raconte aujourd'hui. Ça frise l'hypocrisie, les amis. Il dit la manipulation. Qui paye les blogueurs Voilà une question que je pose. Qui paye les blogueurs pour insulter toi à longueur de journée Ils sont là, on les connaît. On connaît leur travail. Ils font tout, sauf être le travail des blogueurs. C'est des blagueurs, des blagueurs, à la plume armée. Vous voyez un peu les amis, c'est des gens qu'on doit détester leur travail. Bref, il passe à autre chose les amis. Ça c'est une victoire de sa fils. Son coordinateur a réussi à s'imposer à Garoua. Victoire, comme à Yaoundé, comme en Angola, à Luanda. Une autre victoire, c'est d'imposer le staff technique qu'il a nommé. Ils étaient sur le banc. C'est de ça qu'il est question. Une autre victoire, c'est de réussir à réunir les U20 pour mettre la pression sur ces gars-là pour savoir que vous ne pouvez pas boycotter le match. Si vous essayez un truc comme ça, le Cameroun va toujours jouer sans vous. Le message était clair. Une autre victoire de Samuel Etofis et la Fédération Camerounaise de football. Vous voyez donc, les amis, que ils ont allé de victoire à victoire. Et c'est une bonne chose. Si vous respectez les textes, la loi a dit ceci, la loi a dit cela, on respecte, vous allez gagner tout. Aujourd'hui, ils sont dans la distraction. Vous avez vu que le premier ministre, surtout, j'ai oublié quelque chose de très important. La bataille de Stade, où va se jouer le match Le 7, c'était confus, ou Japoma ou Fandena, la avait dit Japuma, après ce n'est pas Japuma, on va aller à Yaoundé, c'est Yaoundé, la FKFO dit Roum ce n'est pas c'est Yaoundé. Et à la fin de fin... Le premier ministre a sifflé la fin de cette histoire en disant que c'est la FECAFOUT qui doit choisir la CAF. Donc, il a choisi Garoua. On va aller jouer à Garoua. Et tout le monde est allé dans l'avion, la, dans, dans, dans embarqué dans l'avion pour aller à Garoua. Ça, c'est une victoire. Donc, c'était une humiliation à ceux qui sont dans les hautes instructions. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient créer encore un autre mouvement de l'agent, la gestion et autres. On a nommé M. Oum, qui est le comptable de la Fédération Camerounaise de football. Et. On n'a pas bloqué les matricules budgétaires de la fédération. Personne ne l'a fait. On a dit qu'il faut donner l'argent dans cette ligne 16. Et après, on a dit que le ministre a nommé M. qui avait déjà été nommé. Par qui Par lui, pour Montazé, en écrivant en noir sur blanc que c'est le comptable, c'est l'agent comptable de la fédération camerounaise de football. Vous devrez comprendre quelque chose, les amis. Donc ça, c'est une autre défaite. Mais les gens ne comprennent pas. Ils prennent et disent « Non, oui, non. C'est que c'est le ministre lui-même qui a euh, euh, proposé cela. » Non, non, non. C'est la démarche pour lui dire « Voilà ce que la loi dit. Vous ne pouvez pas passer autre que ça. Vous devez respecter cela. » L'agent est géré par qui Par M. Oum. Dites ce que vous voulez. Mais c'est le comptable de la Food. Maintenant, si j'ai mal, il donne l'agent sans ordre de 2-2-2. De, de, de. Il va rendre compte. C'est simple, non, les amis Hein Les documents comptables sont là. Donc, ce n'est pas cette gestion-là. Si on voulait que le, le, le régisseur soit quelqu'un du ministère, on devait dire que, OK, le responsable des finances au DGA ou DG, quelque chose comme ça au niveau du ministère des de, de Sports et de l'Éducation physique, il devait être le responsable de ce budget. Mais ce n'est pas lui. Donc le message devait être clair. Mais les gens qui ne veulent pas comprendre, ça descend. Parce qu'ils sont animés par quoi, les amis? Par la haine. C'est de leur droit. Moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai absolument rien contre eux, mais... Mon travail, c'est de montrer ici aux yeux du monde qu'ils sont incohérents et inconsistants. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, voilà quelques éléments qui montrent que Eto a gagné, 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 gagné. Mais ce n'est pas fini. Mais vous pouvez toujours être dans la vérité et gagner les batailles si vous êtes dans la vérité. Et il faut que ces gars de l'Afrique à foot restent dans la vérité, reste dans les textes, respectez les textes. Le champ de ministre doit rester le champ de ministre. Le champ de l'Afrique à foot, le ministre n'a pas le droit de s'émisser. C'est de ça qu'il est question quand on parle l'état de droit. Thank you, friends. Bominaman, Ikunaman, Giman and Vakraman. Proudly Anglophone. Bye bye.